Pourtant, ça vaut faire. Je n'entends plus Péjou. Ça. Allo, allo. C'est bon, tu m'entends là? C'est bon. Ah, nickel. Ouais, JJ, tu penses quoi de leur compo? De quoi? Leur compo, tu en penses quoi? Ben. Un peu full AD quand même, hein. Ils sont full AD et ils ont que des corps à corps contre chaque OAP, c'est juste du hint. Je crois que j'ai hésité avec le petit Darius, mais bon. On avait besoin d'AP quoi. C'est bon, Sixen, il m'entend, les gars. Salut, Péjou. Salut, Arcus, ça va quoi? Bon, allez, celle-là, elle est à nous, celle-là. T'inquiète, là, y'a pas de soucis. C'est gentil de l'avoir dit quand même. Tu veux que je te ward ton bleu ou pas? Ou que je vous ward pardon, quelque part pour le voir s'il s'avance? Ou bah les couilles, t'en bats les couilles complet. Ça, ça me plaît. Ça. Salut hologramme. Ça pull pas top. Ça start ici, je pense. De toute façon, quand tu joues contre Chaco, faut toujours commencer au bleu. Donc il a bien raison. Ouais, pas push. Moi, je vais jouer très safe. Merci Orcus pour le sub, mec. Merci beaucoup. Merci Chac. Bon. Y'en a qui est déjà mis HP. C'est ça. Et le trade a été radical. Bah, trade un ici niveau 1, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses, mais. Yodana. Merci, Vigo. Ok, il va le faire. Normalement, avec le stun de Qiyana, c'est assez simple le gank. Mamacita que tu es beau. C'est vraiment un perso de dégénéré Chaco quand même, hein. Bro, tu sais que je pisse debout quand même Chaco, genre. Oh, genre. A chaque kill gros j'ai une petite goutte qui sort quoi. Ah le trade au top. Let's go le BO Master là. Je suis jamais censé kill aussitôt mais bon. Il va TP, on le retue, je te le dis. Okay. Il a son flash hein. Mais je peux bait un petit Dashin quoi. Après Nocturne va pas tarder à arriver. 5 secondes. T'as un slow. Il flash, il est dans la box. Pourquoi il flash pas gros? Il est con ou quoi? Mais s'il flash, il est dans la box. Ah mais il aurait dû flash mon E. Ouais, le E ouais. Mais en fait il se doutait pas que ce qui allait se passer après. Ouais. Bah là, on est fit, toi et moi c'est terminé quoi. Nocturne. Oh il a 9 P. Nocturne sur moi, il va peut-être me flash in. J'arrive. Ah ouais, tu. Bah je t'avoue que je pensais pas qu'il mettrait autant de dégâts gros. Bon, il m'a flash in, il a plus grand chose. Je peux TP soon. My bad du coup. Bait les, tu peux les bait. J'étais bête. Non mais c'est grave Gob, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve le niveau sans méchanceté. Merci Elix pour ton sub. Assez chelou quoi. Qui veut... Putain mais Lucine qui revient, hein, what the fuck. Bien, on peut le zoner. Bon, de toute façon, je veux push. Pas forcément envie de freeze, je m'en balais avec là un peu. Je mets au 6. Ok, je lui ai fait niquer. Je fais le gromp et je peux arriver top. Ouais, ça peut se dive. Je pense. Si je le bolosse un peu encore.
Merci Bukayo. Attends, ça va faire, merci. Oula. Je vais mettre un deuxième point dans le E. Si j'arrive à lui mettre un Q. Peut-être le force avancé. Oh, oh, tu rigoles. Il va ward. On gagne du temps, vas-y, je coupe. S'il y a pas quelqu'un avec lui, il est mort. J'ai un R, de toute façon, au pire des cas. Il est mort. Il y a Nocturne, mais j'ai ma box. J'ai un R, hein, s'il faut. T'es fine, tu me dis. Hein. Ok, bah ça on peut continuer. Moi, j'ai ma box. Vas-y. Bon, on a gagné. Ça. Attends, il faut que tu attendes mon auto. Je fais. Attends, remarque, il va me taunt. Attends, juste je proc ça là. Voilà. Je peux l'ignite. C'est bon, j'ignite que ça. C'est pas mort. Vas-y, je te mets un E. J'ai plus de mana, je peux plus rien faire. Le mid c'est d'ici nous. Il y a une box ici, pense aussi. Oh, j'ai un R, hein. Vas-y. Vas-y, chope-le. Je vais le tuer. Vas-y. Oui, va lui là-bas. Ah incroyable. Oh bordel, ouais, la leçon. Oh la leçon. C'est trop triste. Ah ouais, de fou. Il trouve un que t'as affronté, tu l'es. Ah oui, non mais de fou, Gob. Mais clairement. Mais même, je sais pas si t'as capté, mais niveau wave management et tout, enfin, y a rien. Petit épisode des Fada. Ouais. En DM Master. Bon, ben au moins je le récupère. Hein. C'est pas un truc de fou, mais. Donc le jour où ils remettent Chaco comme avant, mec, je vais tellement avoir la haine de pas l'avoir joué depuis tant de temps que je vais les démembrer, je sens. Surtout qu'ils vont nerf Diana, ils vont nerf Xin et tout, si jamais ils me le remettent comme avant, c'est juste fini, genre. Bah ouais. Et là, tu vas pas DK là pendant combien de games tu dois faire? J'ai calculé, normalement c'est bon. Ouais. Je vais regarder après, mais. C'est honnêtement, je sais pas si ça te le fait, mais c'est très rare que j'affronte vraiment de très très bons joueurs en mode je me dis ah ouais, lui. Je pense pas que ce soit sur moi. Ah oui. Ouais. Oh, oh, oh. Mec, il a nickel le storm. Incroyable. Putain, j'ai des vacances en septembre, je vais DK, ça commence à m'arriver même. Mais là, c'est normal. Ouais, mais toi, c'est un 5 LP, donc j'espère que t'as fait du bon, quoi. Y'a jamais de lane. Et ouais, c'est fou. En plus, t'as vu, enfin. Je sais pas ce que t'en penses, Gob, mais je trouve que quand même en top lane, pour vraiment avoir un gros impact. Mais... T'es pas mort, hein. Ouais, tu vas mourir un jour ou pas? J'sais. Il a TP le chaîne? J'ai même pas fait attention. Ouais, il a TP. Ouais, il a TP, ok. Il va essayer de me tuer le Lee Sin, je pense. Il va essayer, mais est-ce qu'il va y arriver? Oh mec. Là, tu grides, ça marche, Jamal. Prends le clavier si tu veux. Tu te, ouais. Tu te joues un peu deux là, non? Les gens ils comprennent pas que même quand t'as 100 HP. Ils étaient 4 au mid, mec. Ils étaient 4 au mid pour me tuer, genre ils m'ont même pas tué. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Gob. Les gars, j'ai pas sorti Chaco la dernière game pour rien. Tout c'est qu'après en top lane, quand t'es devant, si t'es laissé en pur 1v1, ton adversaire il a aucun moyen de comeback. Je suis pas dans le bush. Il peut pas me cancel de toute façon. Ouais, je vais prendre 2 pink. 8 à la Kiana. Moi je pense que si Gob il me coach, je pense que je passe challenger, je pense. Ouais, mini. Au moins 1000 LP. Ah, Kiana 8 ans, j'ai pas vu ça. Thresh 3-0 aussi. Mordé Infernal, Beskin. Ouais, j'adore. Hein.
Bah merci pour la game gros hein. En vrai on a une bonne équipe aussi donc ça va. En midlane, mais en étant bof dans la game, tu peux retourner une game. Bah midlane t'es au centre donc tu peux vraiment roam de partout. Alors que top lane t'as juste une TP pour pouvoir vraiment roam. Et tu l'as toutes les 6 minutes. Et en top lane, ben, selon ton matchup. Il va revenir là non le chaîne. Ouais, il va pas tarder je crois. Il a un flash ou pas? Juste dis-moi. Je sais pas. Moi il a pas utilisé contre moi en tout cas. Bon les gars, je vais vous montrer une stratégie avec Chaco que vous ne vous servez pas assez. C'est celle-là, vous allez voir. Donc en gros, toi mets-toi du côté gauche. T'as vu? Bon ben. Voilà. Du coup tu disais ouais technique Chaco? Bon, dommage. Merci Adrien pour ton sub, merci beaucoup. Le mec sort toutes ses waves. Ok, je suis là. Je vais essayer de bait avec le clone pour faire genre c'est le vrai. J'ai pas de. Voilà, voilà le clone. Au courant que j'ai toujours pas d'off ou quoi? Oh. Dommage. S'il est pas flashant, je le tue. Il passe pas, hein. Non, non, il passera pas. Je te mets une box ici, gros. Vas-y. Non! Ok. Décidé. Oh, frérot, je m'en vais pas, moi, je te le dis. Casse-toi. Putain. J'ai mis double box. Voilà. Les entrées sont sécurisées. Et bon, il peut plus rien faire. Vous avez pas compris la technique? Ah c'est dommage, pourtant il vous l'a bien montré hein. Non en fait quand quelqu'un est sous tour, je vais pas vous montrer là. T'inquiète on refera ça à Domi, pas de soucis. En fait quand il y a quelqu'un qui est sous tour, vous envoyez votre clone et le clone vous l'envoyez auto-attaque. Et en fait le clone ne prend pas l'aggro de la tour. Du coup en fait le mec tu le grattes jusqu'à l'infini quoi. Et si tu le clones tu le tues parce que bah, y a trop de dégâts et... C'est un truc. Je t'ai payé ma poule hein. Oh rigole toi là. Oh je l'ai baisé. Oh je l'ai tellement baisé. Je l'ai E avant le fear. Ouais. C'était pas mal joué ça. Ah c'était pas mal joué ouais. Le perso il est carrément allé dans le mur mec. Il était pas collé au mur, il est rentré dedans. Il y a pas un dragon qui se joue là dans ce game. C'est backdog. Ça va chez N6, ça va y passer une belle game. T'as bientôt le double de niveau là. Oh, je suis très très bien moi ouais. Bah là mon pic face à leur compo, pas te mentir. Hein. C'est du PM béni quoi. Bah il a plus de jungle lui. Il avait l'immortal shield en plus. Merci Spets pour ton prime, merci beaucoup. Bon, 3k5 gold devant peut-être back. J'ai 100 CS. C'est les bait, là. Je vais les rendre au fou là. Ouais, il peut plus me tuer là. Ouais, Shen, quand t'es behind. En fait, Shen, le truc du pick, c'est que. C'est bien, c'est un pick intéressant, mais t'es trop teammate dépendant en fait. T'as pas d'équipe, hein, tu peux rien faire. Ça fait casser le cul quoi, bon. Ouais, je me suis bien ouvert le cul. Et en fait, ce qui est cool avec les signes, c'est que les dégâts sont assez balanced quoi. Le mec est en 2-8. Il m'a one shot. Allez, chercher les rales là. Yo, Liclan, salut, Zeratul.
Zeratul, c'est... Je voulais drag et tout, mais cette game, elle est tellement... Enfin... Il se passe tellement de choses, ça fait chier. Mais ce genre de game, à chaque fois, c'est horrible. En gros, Zeratul, c'est le fils à Zerator. C'est ça, ouais. Ah, regarde, ça le va. C'est normal au milieu ou pas? Regarde. C'est sympa, non mais en vrai la qualité des games elle est quand même incroyable, non en vrai? Non mais c'est juste insane. Et puis le mec il prend Trundle du jeu de l'âme parce que c'est méta ou je sais pas quoi, mais c'est le genre de mec qui joue la méta mais qui est côté au jeu. Ah mais no joke, j'ai jamais vu le ladder aussi, enfin, aussi toxique que ça. Genre t'imagines, tu fais une game, tu gagnes, là le mec il est en 0-6, il court sous les tours. Genre. Ouais. Après je pense que si on jouait on joue en Corée gros on serait challenger non en vrai. Minimum. Minimum. Ouais. Oh là, il t'a pigné un peu là. Ah en vrai il a bien joué là. Ah, le Trundle. Ouais, Trundle. Faker. Non mais il abuse de Trundle. Parce qu'en vrai ils peuvent presque gagner hein. Enfin, ils peuvent au moins tenter non. Quoi. Il va faire un petit peu. Moi je run down, je m'en bats les couilles de game. Bah, t'as fait ce que t'avais à faire quoi. Il va dans ma box alors qu'il la voit, il la pique et tout genre. Crème des gars mon frère. Après le chêne dans tous les cas il revient plus jamais dans la partie avec l'avance que tu as. Ah oui non. 17-2 la Kiana. En fait ce genre de game c'est pas possible les gars de la perdre parce qu'en gros vu que sont full AD j'ai juste à rush un Zhonya et la game est juste gagnée. Ouais moi j'ai Zhonya Tabi. Sachant qu'on va être tanky contre eux et qu'en plus on aura des dégâts. Non. Il suffit qu'il y ait deux box dans le fight, ils font rien. De rien ça meurt. Salut et Eria Win, très bientôt. Ah, 32 qui continue de courir. Vers la voie lactée. Le buff de Shaco est pas encore passé, non, les gars. Je pensais qu'il allait me. Je crois sûrement mercredi prochain. C'est quoi qu'ils vont buff? Ils vont rendre le Q-spell invisible, c'était dans un buff quoi. Ah, ah oui, parce que ouais. Vois et tout, ok, ok, ouais. C'est vrai que ça c'est chiant ça. Comme avant quoi. Ouais c'est un hotfix sur le fameux bug qu'ils ont corrigé mais qui a détruit Shaco quoi. Ouais c'est reparti. Ah c'est même pas moi qui l'ai eu. Ouais. T'as bien voulu niquer sa mère là. De fou. Ah de fou là. Salut Cassayon. Ouais ouais j'y vais pas ce week-end mais j'y vais. Ouais. Bon là s'ils viennent fight gros avec les. Mais le Lucian, tu crois qu'il est comment dans cette game le Lucian là? Ah il est heureux là. En plus toxique en plus. Il est toxique en plus? Ouais. Péter les burnes celui-ci. Merde, on est pas Zhonya, c'est vrai. Attends, mais on est tous loin encore. Oh, vas-y, ça m'a pété les couilles là. Vas-y, on gonnage. Bah écoute, frérot, je suis multifonction. Vas-y, on force Nashor, on est pas Kiana avec nous. Draven 5-5-5 en vrai, il rigole pas. Hein. Non, je vois pas comment on perd. Vrai, on mériterait de la loose parce que le Lucian il s'arrête pas de trash talk, tu vois. Mais bon, on va pas la loose. Qu'est-ce qu'il fait 32? Non, mais c'est pas bien de faire ça, franchement. 0-12, il a changé ses items, regarde. C'est dégoûtant, non mais c'est répugnant de voir ça parce que tu te dis que ce mec tu peux l'avoir avec toi quoi. L'arme de la DS, début de plaque de mort. Boring Gonex il s'appelle. Ah ben, il porte bien son nom. Ils font toujours ça, ils ont toujours des pseudos. Ouais.
Non, je ne suis pas suisse, je suis pas dégueu. Si, c'est la vérité. Fight final. L'apparition du boss légendaire. Ah, okay. Horrible. Donc tu vois que ce genre de joueur faudrait le banniper carrément quoi. Genre. Ah oui, oui, clairement. Viens ici, toi. On leur a mis la dose un ouais, peu là. Exactement, hein. Et Riawin, ouais. Nu et Jarvan vont être très forts le prochain boss. Oh. Ouais, on est master incroyable. Nous sommes un joueur exceptionnel. Vu que nous passons master. Bien évidemment, monsieur. Fais gaffe, hein. Quand tu reviens, j'aurai plus LP que toi. Ouais. Eh ben merci gros, c'était fort sympathique. C'est sans forcer. Ouais, c'était sympathique, moi j'ai bien aimé. Voilà, on s'est pas trop pris la tête en plus, c'était cool. On s'est pas engueulé, on s'est pas chamaillé. Il est D1 le Trundlewood. Ouais, c'est triste. Hein. C'est la première game où il fait ça. Hein. Peu... Run mid to die. Après, il est roleplay après, hein. Ah, on va dire ça, hein.